pour qui ça Aristide t'en a laissé frapper avec la chambre en 1991. Jou qui était 30 septembre 1991, l'armée by Aristide y a un coup d'état. Événement ça la cause en pile moun mouri et interruption processus démocratique là qui était commencé après première élection libre, honnête, démocratique dans pays là le 16 décembre 1990. Nous t'en parlons en pile de coup d'état 1991 là. Mais un événement que nous pas t'en parlons en pile de lit, c'est le désaccord qui était existé entre la chambre et Port-là avec le président Aristide. Dans la vidéo, ça, nous allons l'obligé sous crise politique que l'interpellation du Premier ministre René Préval par Parlement a provoqué. Et comment conflit ça représentait le dernier clou qui scellait ce qu'il pouvoir la Valaslan en 1991. En fonction de l'information que nous avons joindre, mais comment crise ça a été déclenché. Chambre député après le mercredi 4 septembre, là, pour bailler un vote censure ou bien un vote confiance à Premier ministre René Préval après interpellation le mardi 3 septembre. Premier ministre a demandé tout représentant peuple pour songer mandat peuple te bayo qui se sont changé l'état ça. Et c'est pas un l'état qui l'a pour peuple d'accord dans tout ça qu'a fait dans non li, mais plutôt un l'état côté peuple a participé. Premier ministre quoi, il y en a trois pouvoirs pour ko corré tête yo. Comme ça, il pensait que gagne un pile travail qui pour faire côté trois pouvoirs ka marché dans coup trois roches di fait. Premier ministre là bay dans qui état, il te joine l'état ça et il fait un bilan depuis gouvernement commencer travail. Un pays sous la gravat. Yon économie en débandade. Yon l'armée posado ak pèp la. Insécurité tête calée, blackout la journée qu'on la nuit, prix marchandises 17 hôtels, chômage à grand goût tribobabo. Situation fragile ça, problème makout ça yo, gouvernement commence à résoudre yo à zon. L'état main quoi pèse un glendo. Li commencé à faire blackout, faire bac. Avec courage politique, sans démagogie, l'état main met l'ordre dans l'état. Dans APN, dans Minotri, dans Ciment d'Haïti, etc. Avec un pile sagesse, li commencé à réconcilier l'armée avec le peuple. Les diminuer dépenses inutiles à corruption dans le bureau de l'État et les commencer à créer travail petit petit. Comme résultat, nous pouvons citer quelques chiffres. Cap-bay, par rapport à troisième trimestre 1990, augmentation que nous jouons Kounia dans mettre l'ordre dans l'état ça avec un pile courage. Impôt sur le revenu li augmenté de 21,4%. Impôt sur le revenu des sociétés augmenté de 45%. TCA augmenté de 21,4%. Recette douanière augmenté de 51,3%. Droit d'accise, non compris produits pétroliers, augmenté de 72,8%. Droit d'accise sur produits pétroliers augmenté de 73,1%. Recette globale, malgré diminution certaines taxes sur les produits de première nécessité que situation est demandée, augmentée de 11%. Nous enregistrons tout en diminution des dépenses. Même là, nous considérons que nous obligeons de faire face à dépenses que nouvelles institutions constitutionnelles demandées. Tant pour Sénat,
Chambre des députés, baccalauréat, qui n'est pas prévu dans le budget en vente, dépenses baissées de 3%, même si certaines dépenses ne sont pas prévues. Déficit du trésor que nous déjoignons à 54 millions, nous réduisons en juin à 15 millions le dans politique fiscale de l'État. Les arriérés du trésor, c'est-à-dire bagaille l'État avant pas de payer, que nous déjoignons à 95 millions, en septembre, n'a privé réduit à zéro. Nous apprenons quelques chiffres concernant les organismes autonomes. Recette mensuelle moyenne de la Téléco est 4 millions de dollars. En juillet 1991, Téléco enregistrait 7 millions de dollars, augmentation de 75%. Siemens d'Haïti, qui a fonctionné à perte depuis le mois de mai 1991, nous enregistrons un profit mensuel moyen de 100 000 dollars. Minoterie d'Haïti, qui a fonctionné à perte, enregistré un profit mensuel moyen de 300 000 dollars. Nous avons quelques autres chiffres encore, comme résultat politique, économique et fiscal. Là. Le taux d'inflation que nous avons à 22%, jeudi à nous réduit à 12%, et l'année prochaine, à l'heure qu'on nous espérons la part 7%. Les réserves de change de la Banque centrale que nous déjoignons à 200 000 dollars US, nous espérons en décembre prochain, si toute négociation marche bien, porter de 200 000 dollars à 20 millions de dollars. Voilà rapidement quelques chiffres qui sont les résultats politiques du gouvernement. Après ça, dans le débat, divers députés ont fait intervention pour déclarer qu'ils pas satisfaits dans la déclaration ça que le Premier ministre a fait. Côté d'après eux, un pile contrat entre le gouvernement haïtien et l'autre gouvernement signé derrière eux et ont protesté le fait que le gouvernement fait réforme là sans que ne pas demandé aux propositions. Et groupe député ça a considéré bagay ça tant que ça a été fait sous régime longtemps. Mais tous divers autres députés dans l'intervention ont demandé pour les collègues comprendre la situation ça pour corriger le gouvernement Aristide Préval. N'a pas signalé que peuple lui-même te prend rendez-vous une autre fois encore devant chambre pour appuyer Premier ministre René Préval. C'est comme ça, peuple te montré colère pour être député. Terre le Premier ministre nan, tandis que eux-mêmes yo poko di population dans circonscription représentée qui ça fait depuis 6 mois yo nan chambre là. Rien pas de sorti dans séance interpellation. Président Assemblée nationale là Ernst Pedro Casseus t'est obligé lever séance là. Rien pas sorti dans session la chambre là. Côté député yo terre le Premier ministre là pour venir rendre compte sur politique gouvernement là. Raison t'es gain trop déblosay devant la chambre là ak nan la ria. Premier ministre qui t'a répondu avant ça à question député sous affaire loi 7 mars 1991 là, t'es fait connaître que le gouvernement a déjà déposé plusieurs projets de loi qui peuvent aux gens voter. Avec le premier président, le peuple a choisi pour entrer en fonction en bas la bannière constitution 1987 là. L'exécutif a gain autorisation pour prendre toute disposition pendant 6 premiers mois de au pouvoir pour lui faire toute réforme législative nécessaire dans toute administration publique et dans la magistrature. Dans le moment d'application,
m'a fait songer mes IGFOR. Exécutif là, pour être comment il est capable de faire parlement tout, commencer à participer dans un gros mouvement, changer l'État. D'une façon, pour le législatif là, t'as qu'à entrer ensemble avec l'exécutif là, dans le camp payant l'État qui est au service des Parisiens. C'est pour ça, l'exécutif là a demandé, disons parlementaire, sous application article 295. Parlementaire te répond par vote, loi 7 mars là, boule. Mais l'exécutif a commencé à nommer nouveau juge dans la Cour d'assassin. Parlementaire dit autant. Et c'est là ça, il vient avec loi interprétative 7 mars. Après parole ça, député au Télévé Campi, il a déclaré que le Premier ministre a passé à côté vraie raison convocation. Et c'est dans ce moment ça, escombré de gaille. Peuple là qui t'a chanté boule caoutchouc voyez roche t'es fait tête député au chaud et dans moment ça après en pile palais NSP Pedro Caseus qui c'est président assemblée prend décision lever séance là laisse ça député au mauvais concon il dit faut que président assemblée a démissionné parce qu'il semble le temps d'un complot à gouvernement si vous voulez casser constitution casser si je dis à aucun moyen pour casser tu vas aller avec moi et pendant 34 ans ça finit. Député qui te paye en pile pour sécurité, te demande Premier ministre là, faire une déclaration officielle pour demander peuple là calmer. Dans moment ça, monsieur Préval qui c'est Premier ministre là, t'es parlé comme ça. Premier ministre pas parlé, on a même une déclaration. Je te voyais en délégation rencontrer avant que me descende là. Comme quatrième point, il a été entendu que le ministre donnait la sécurité aux députés avant qu'ils ne sortent. Nous prenons engagement ça, nous demandons députés pour suivre la décision que tu prends. L'atmosphère était tellement chauffée. En pile député, tu es fermé en dedans la chambre non, pour bailler tête bon en sécurité. Mais comment l'ambiance l'entendre devant Parlement? Dans le cadre de la deuxième convocation pour le ministre là, Gonamoni Préval, qui te prévoit pour aujourd'hui, par monsieur dans la chambre députée, plus passé 200 personnes te rassemblé devant le palais législatif là pour porter une autre fois encore appui au chef exécutif là, monsieur René Préval. Il a déclaré que député yo voulait voyer Préval aller pour faire place pour un autre premier ministre qui est dans le camp. Préval à Aristide Semarasa, yon pap marché sans l'autre. Dispositif sécurité ou te mette devant la chambre non, te gen taille pour contrôler situation. Contrairement à la première convocation, foule la te pipiti et elle pas trop agressif. Mais faut que nous dit que slogan yo toujours a voyer monter en faveur premier ministre là pas de changer yon mail. Si nous pas dit nous pas d'Aristide oui, on est là pour les. Je vais jouer. Je vais mettre là depuis à l'administrateur.
Nous mettons des bagages là parce que c'est un ravine. C'est comme si je prends le pouvoir comme un tel rapport. Il y a minel, minel. Il y a douce prévalu. Il y a besoin que vous finissez pour y avoir. Il y a non. N'ap signalé que séance là t'est commencé vers midi et demi comme ça dans la chambre non. Pendant temps ça, foule là t'est toujours à attendre René Préval devant la chambre. Mais qui était réaction président Aristide au sujet de l'interpellation Premier ministre René Préval? Président Jean-Bertrand Aristide présenté la chambre jeudi mercredi 3 d'août là ensemble avec Premier ministre là René Préval, ministre de l'Agriculture François Sévrin, ministre de la République là France Verella pour répondre directement lettre que monsieur dame député ont écrit pour demander lui dialoguer avec eux. Président était présenté à un bouquet fleur que lui remettre président la chambre là député Duly Boutis. Nanti causement lui était fait avec député yo. Père Aristide déclaré, présence moins traduit volonté moins gagnée pour dialogue que nous mandons maintenant. Moi venu en personne pour tes réponses dans nous et réponse nan traduit dans bouquet flèche là yo qui me porter ban nous. Père Aristide te remettre avec Duly Boutis yon lettre côté li déclaré que flèche sa yo c'est flèche que li cueilli dans jardin démocratie. Pour sem ak frèm député yo. En bas lumière constitution me ramasser fleur démocratie dans le jardin peuple là qui vient glisser par douce saillot dans les oreilles exécutives à la chambre. Plantez semence dialogue, mettez en grès respect, veillez à ce peuple là, n'a récolté une lavalasse fleur solidarité, dignité, fierté. Dans le jardin peuple là. Lava la semence, frère nous, Jean-Bertrand Aristide. Président Aristide déclaré qu'il a prêté tant tout député pour dialogue, quel que soit les ouvriers et côté au pipito. Ensemble, il va faire critique sur le gouvernement, sur l'exécutif là, et sur la chambre là. Président dit, comme les oreilles pas de trop longues par ses têtes, il tendait radio. Peuple a demandé pour ne pas bailler Préval un vote non confiance. Lui-même, lui tendez voix peuple là, lui bail Préval yon vote confiance. L'aptan vote pas député yo, quel que soit sa lia pour mettre en application. Écoutez radio, hier, et surtout matin, c'est comme si nous tendez tout son yo, tellement yo majoritaire, mandé député yo pour yo pas bail premier ministre là, on vote non confiance. Et moi-même qui voulais toujours être fidèle à maman loi pays et à peuple là, me senti peuple là voulait dire pendant la demande moi être fidèle à maman loi pays là, peuple là voulait dire oreilles pas doué plus long pas cette tête. Peuple parler président coûté obéi. Me pas voulait contenter de deal sans marche. Présence moi là, c'est traduction des marches. Dans le sens que toute semaine prochaine, m'a prêté disponible pour ramasser belle parole dialogue au studio et chita avec tout président différents groupes yo, avec tout député dans chaque groupe nous composé yo, si nous voulons, selon calendrier nous va proposer et comme ça. N'a pas parlé avec moi, m'a parlé avec nous, n'a fait critique sur exécutif là l'a fait critique sur la chambre non, critique constructif dans le respect, dans le dialogue pour que le pays soit capable de bénéficier. Dialogue ça yo, pourquoi c'est ça peuple là attend pour tout le monde capable de bénéficier, pour nous pas perdre ni sac ni crabe, l'aime dit nous, on veut dire tout le peuple là. Donc c'est nous m'attendre. Et si je ne propose pas dialogue là, kounye là même, c'est respect que je pour la programmation calendrier. Puisque dans la programmation, nous te jugé bon pour interpeller le Premier ministre. Je dis à nous de respecter ça. Donc, nous quittons ça dans nous.
Si nous-mêmes nous t'avons, après interpellation, pour nous chita ensemble dans le palais national, à soir, pas de problème. Si c'est demain nous voulons, pas de problème. Si c'est après-demain, en fin de compte, moi là. Peuple a redim, oreilles, pas de pilong, pas ses têtes. Tendez m'obéir. Li dit, pas bail premier ministre là, votre non-confiance, m'tendez m'obéir. Quand ça me vote pour lui, pendant que m'a respecté vote que nous-mêmes, nous va juger bon pour nous bail premier ministre là. C'est maman loi pays qui va nous doit interpeller premier ministre là, les pour nous relèl, Jean pour nous relèl. Gen fil discussion qui fait sur l'article 129.2, 129.3, 129.4, dans la mesure que dialogue la gen doit arriver dans une commission que la Constitution prévoit pour une chita parler pour gagner entente entre la Chambre avec l'exécutif, la toujours bon parce que c'est va chimer dialogue entente. Après déclaration ça, yo, député du Libertis a décidé de deux députés la parole. Il t'a refusé. Comme ça, du Libertis fait qu'on est que vous prenez chita ensemble avant de recevoir le Premier ministre. Là. Et c'est à 3h moins, séance d'interpellation a commencé. Et à 3h, le Premier ministre lui-même a commencé à prendre la parole. Après séance 4 septembre, nan, qui était fini dans une désentente entre la Chambre et le président Aristide, sous dossier interpellation et vote de censure contre le Premier ministre René Préval, événement yot après l'accéléré. Entendez tout ça qui était passé pour aboutir à date 30 septembre 1991. Septembre. Le Premier ministre répond à l'interpellation des députés. Le président l'accompagne au Parlement et remet une corbeille de fleurs aux députés. Opération de charme du président Aristide qui lance un avertissement. Oreilles pas d'opi longue passe tête. 4 septembre. Visite réciproque d'un groupe de parlementaires au Palais national. Des fleurs sont offertes au président. Au terme d'un débat houleux et très critique sur la gestion des affaires publiques, les députés consentent d'accorder un sursis au Premier ministre René Préval. 6 septembre, l'ex-présidente provisoire Herta Pascal Trouillot laisse Port-au-Prince à destination des États-Unis. 6 septembre toujours, spectaculaire évasion de prisonniers au pénitencier national. Les organisations populaires dénoncent la complicité des geôliers. 10 septembre, une grave crise éclate à l'hôpital général. Le ministre de la Santé limoge 7 médecins cadres de l'hôpital et proches du président Aristide. Le ministre Daniel Henry sera à son tour démine ses fonctions quelques jours plus tard. 11 septembre, commémoration du 3e anniversaire du massacre de Saint-Jean-Bosco. Le président rend compte de sa gestion aux jeunes des organisations populaires. Ceux-ci se montrent insatisfaits. Ils lancent de sévères critiques contre le président qui avait entamé quelques jours auparavant des discussions pour un prêt stand-by avec le Fonds monétaire international. Faut-il aller nous chiter avec FMI, nous ne prétendons pas que nous finissons de l'ordre net aller dans le monde tout volé, tout vicieux, mais nous sommes capables de dire. Nous mettons l'ordre que notre gouvernement n'est pas capable de mettre. Faut-il parce que le gouvernement panne a qu'un prestige. Dans le courrier des vols, corruption dans l'administration de l'État, ce n'est pas FMI qui vient passer dans l'ordre de faire ça, mais c'est FMI qui vient rencontrer avec le gouvernement grand, à tout prestige, pour discuter sur des questions comme ça. 19 septembre, nouveau replâtrage du cabinet ministériel. Deux ministres sont renvoyés, Affaires étrangères et Santé publique. Jean-Robert Savala et Claude Jean-François remplacent Denise Fabien Jean-Louis et Daniel Henrys. 23 septembre, la veille de son départ pour New York, Jean-Bertrand Aristide rencontre la garde présidentielle, lui confie la garde du pouvoir et dément les rumeurs de changement à la tête de l'armée. Votre militaire a prêté dans l'armée pour continuer son travail selon la loi règlement de la mer et selon maman loi pays. Ça coûte en quelle mauvaise langue qui est capable de dire nous prenons retirer le monde dans l'armée d'Haïti. Si le monde vient dire ça, courir d'elle, parce que connaît ses zizani, la vient chercher, mettez. 24 septembre, premier voyage à l'étranger du président Aristide. Il doit participer à la 46e Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies. Pendant son absence, des veillées populaires sont organisées devant le pénitencier national. 25 septembre, intervention du président haïtien à la tribune de l'Assemblée Générale de l'ONU à New York. Il prononce un discours en 8 langues et introduit le créole à la tribune.
devinez qui l'homme qui vient tailler Bobis jeudi à la Nation d'Union. Devinez qui l'homme qui vient tailler Bobis jeudi à la Nation d'Union. Applaudissements, nous voulons dire, nous comprenons que c'est créole. Créole parler, créole comprendre. Dans la caille, côté créole là, ouvrez le lit, pour marcher tout partout, rassembler toute petite terre, et pour nous parler langue maman, je dis à, pendant la baille toute freine à travers le monde, entier, on a collé de la valasse, nous dit, créole c'est langue maman, créole c'est langue maman, qui n'en sonne, qui n'en nanan. C'est langue maman, qui brode l'échelle belle, il saoule, il coule. Dans l'ONU, il est connu. Dans dénoncer toute vice, toute civile, toute complice, injustice, il fait 10 sous 10. Réaction de la classe politique. René Théodore et Marc Bazin opinent sur le discours du président Jean-Bertrand Aristide à la tribune de l'Organisation des Nations Unies. L'autre côté président parler devant Nations Unies. Ou pas jamais l'impression que c'est président au pays, que tout le monde, maman petite, c'est ma révente, papa petite, pas de travail, nous devons rentrer des classes qui sont terribles, chômage à pas grave tous les jours, prêt à monter, même quoi que le président, tu dois utiliser l'occasion ça, pour le décrire conditions matérielles désastreuses que Haïtiens vivent, et puis pour lancer un appel à la solidarité de la communauté internationale pour nous voir si il est capable de nous un petit coup de main le plus rapidement possible. Le président paraît comme un représentant de la valasse de préférence au lieu qu'un représentant de tout peuple haïtien, de toute composante société et de toute sensibilité politique dans la société. Son président chef d'État, c'est président tout le monde. 27 septembre. Retour triomphal à Port-au-Prince du chef de l'État. Il est accueilli par les officiels de son gouvernement, l'état-major de l'armée et le corps diplomatique. Un premier discours à l'aéroport, Jean-Bertrand Aristide invite les autres partis politiques à se mettre au travail avec lui. Accueilli par une foule innombrable à sa sortie de l'aéroport, il effectue une tournée en ville et à Cité-Soleil. Il clôture la journée par un virulent discours politique au Palais National. On reproche au président d'avoir fait l'éloge du Père Lebrun. Pas négliger Balsal mérité. Pas négliger Balsal mérité. J'outil nous amène nous, instrument nous amène nous, constitution nous amène nous. Pas négliger Balsal mérité. Appareil nous amène nous. Tirouel nous amène nous, crayon nous amène nous, constitution nous amène nous, pas mérité, pas ça mérité. 291 l'an qui chita dans mes têtes, mon côté pas cheveux a dit, ma coûte pas la dent, ma coûte pas la dent, pas négliger, pas ça mérité. Tout partout dans quatre pays, on a veillé, on a prié, on a veillé, on a prié, l'enkebeyoun, pas négliger, pas ça mérité. Allons belles outils, allons bel instrument, allons bel appareil, les belles lichelles, belles brodées, les bandes en pépin, le bonjour, les sentis bon, tout côté au passé, on vit respirer. Les chicanes, maman loi, béa, qui dit ma coupe paladin, sale quoi c'est pas, c'est les coupes de ville chercher. 29-30 septembre 1991. Un coup d'État renverse le président Jean-Bertrand Aristide au fait de sa popularité hier encore. Pendant deux jours, des coups de feu sont entendus dans toute la ville. La base de l'armée prend la tête du mouvement qui aboutit à l'exil du chef de l'État. Un nombre indéterminé de personnes sont tuées dans les quartiers pauvres de Port-au-Prince. La population apeurée reste terrée chez elle. Les moindres signes de désapprobation sont sévèrement réprimés par les militaires. L'armée prend le contrôle du pays. Le général Raoul Cédras annonce la démission du président Jean-Bertrand Aristide. Peuple haïtien, sur ces tas de choses attentatoires aux libertés démocratiques ne pouvaient plus durer. Le défi était à relever.
les forces armées d'Haïti comme à chaque tournant crucial de la vie nationale, se devaient de répondre présentes pour que la Constitution et les institutions du pays soient respectées.